OMG parfait. Puis quand je lance le record, la game proc. Salut les putains de gamers. Ici Aldel, pour vous procurer votre dose de gaming. Attends, les middle. Ouais. On est full AD. Ils ont deux AP. Mais ils ont pas vraiment de quoi stacker l'armure ou quoi, ni de tank. C'est pas trop grave. Bouclier dedans parce que c'est un gangplank. Hop. Putain de gaming de bon matin. 9h du matin ici. Oh. A gratté combien? 20 gold. C'est 7 prix. Oh, je suis presque sûr qu'ils auraient. Ah non. Je me demandais s'ils n'auraient pas pu prendre la ward. Bon, c'est encore un match-up Trindalicine, comme exactement la dernière vidéo. Je doute que je le tue au niveau 1 cette fois-ci. Sauf s'il décide de faire des carabistouilles. Il start tout. Raptor, Red, Blue. Ça a l'air d'être Red. Ouais, c'est Gale Force leur team, hein. C'est clairement pas Kraken. Allez, c'est parti pour être full focus là. C'est ma deuxième game de la journée, enfin ma deuxième ranked. Je fais quelques carabistouilles avant ça. Leur early lane contre Gangplank peut vite être oppressante, faut pas que je fasse de bêtises. Et en plus de ça, ils jouent un early ganker. Hop. Ok, il a pas les 3. En plus, il a déjà perdu le mana d'un pourparler sur un creep. Il joue avec les cookies. Est-ce qu'il joue avec les freebots ou la maîtrise potion? Ça, c'est un truc qu'il faut essayer de vite savoir. La plaque d'os. Allez, fais pan. C'est bien. Bon, il est déjà en galère de mana, mais il a de quoi sustain. Hop, passe niveau 2 sur cette action. Je m'en branle de ton tonneau. Ok, je suis un putain de troll. Ok, survie. Ok, il y a nos flashs. Le problème, c'est que lui, il a 12 milliards de potions et une téléportation. Ouais, bah ouais, forcément il est gagnant sur une action comme ça. Derrière il peut sustain, moi non. Oh. Enfin, si je peux sustain, mais clairement pas autant que lui. Je passe niveau 3 sur ce creep. Voilà, j'attendais de me heal. On tue pas, jamais on tue. Yalicine, pour ceux qui s'avancent. Normalement, aucun de nous demeure. Ok. Bon. Bon. C'est mouvementé. C'est mouvementé, ces conneries. J'aurais jamais dû flush. J'ai le goût du sang dans la bouche là ce matin. Je sais pas ce que j'ai, je fais que grid. Déjà la game d'avant, j'ai gridé en early comme un connard. Ça a coûté cher. Parce que là j'aurais juste pu forcer son flash tranquillement, avoir le flash advantage. La lane aurait été bien posée et tout, je l'aurais certainement forcé sa téléportation. Après NP ça reste bien. Je vais récupérer mon ghost, il aura pas de flash. Ça pourra certainement lui mettre un all-in intéressant. Je récupère une bonne lane. On s'est pas fait tuer. Ok. Je vais pas avoir le temps avec l'auto. Il a une brillance. Putain, j'ai bien envie de l'all-in. Hein. Mais bon, il a son tonneau de prêt, il a sa plaque d'os. J'ai pas vu s'il avait la maîtrise des potions pour courir vite. Il court vite ou pas? Ah, il court vite. Il a la maîtrise des potions. Ah, c'est vraiment de la connerie cette merde de perso. Si t'arrives pas à lui mettre des trucs, enfin des timings de ligne, y'a rien à faire.
Oppressant as fuck. NP. Je devrais réussir à sustain avec la wave qui arrive. Et là, il a le goût du sang dans la bouche, du coup, c'est le deuxième coup de tour qu'il prend. Après, j'aurais pas dû faire un dash-in, ça lui a permis de faire péter le tonneau. Je te jure que faire proc une poigne de l'immortel à distance, ce n'est pas équilibré. C'est un fait. C'est juste un putain de fait. Encore un coup de tour. Je le bute à la tour, hein. Il veut tellement me buter qu'il meurt à la tour. Mais c'est le setup de rune de Gangplank, je l'ai toujours dit. Le perso lui-même, ça va. Mais le setup de rune, la plaque d'os, le cookie, la maîtrise des potions, le start corrupting, la poigne de l'immortel qui peut faire proc à distance, et c'est bon. C'est le setup de rune est débile. Ah, j'aurais pu le tuer. J'ai eu trop peur du heal qui allait mettre ses oranges. Et je pensais pas que j'allais crit. Et j'ai balave dans le mur. Et je suis... Oh ! Réveille-toi, là. Je suis nul à chier ce matin. J'aurais dû le tuer sur cette action. Et je pensais que je passais niveau 6 sur... Toutes mes calculations sont mauvaises. Genre. Tous les petits détails marchent pas... Oh, Yalissine fait chier. Bah ouais. C'est niqué. Ah, je pue! Rien de tout ça serait arrivé si je l'avais tué. Ah, je m'auto-frustre ce matin, les gars, je vous jure, ça va pas là. Ça va pas du tout. Il a un niveau d'avance maintenant. Oh, j'aurais tellement dû le tuer, j'aurais tellement pu. Même avec le heal du... des agrumes là, il aurait pas survécu. Et là, c'est un match-up qui peut vraiment être bien quand je peux commencer à le dive et tout, mais là... Ah là, j'aurais pas du tout les dégâts pour le dive, il va juste me pressure en boucle comme un connard. Là, faut faire un truc qui tout double, là j'en ai marre. Viens me battre. C'est trop facile pour lui de gérer la distance, bah ouais. Ah, j'ai pas le ghost, sans le ghost il peut tellement faire ce qu'il veut. Je vais faire ça. Je demande juste un all-in que je réussisse, c'est tout ce que je demande. Un fantôme, une létal tempo, des crits, un kill, c'est tout ce que je demande. C'est ce que je veux au plus profond de moi. Ah, et là, la lane est trop bien posée, je vais pas pouvoir casser ce freeze. Hein. Ok, je vais peut-être pouvoir casser ce freeze du coup. Ça va, j'ai pété son tonneau, il a pas géré ce tonneau. Mais quel enfer ce pic! Arrête de marceler! Je l'en ai marre, arrête! C'est du putain d'harcèlement! Je pourrais te faire un procès pour ça, va te faire foutre! Allez, c'est wardé là-dedans. Et je peux pas bulle ma furie, du coup je peux pas l'ouline. Va te faire foutre. Va te faire putain de foutre, je te bute. Allez les creeps, me tuez pas, s'il vous plaît.
Quelle horreur! Oh, quelle horreur! Oh! Gangplank, quand tu joues un melee et que ça commence à prendre ses aises sur la lane, mama! Oh mon dieu! Fous la paix aux gens, laisse respirer! Les joueurs de Gangplank, c'est des putains de boulis! Hein. Ça se voit, c'est des gens, ils... J'ai même pas d'exemple qui me vient en tête. Ils jettent des bouts de gomme. Ils sont au bout, ils sont tout au fond de la classe. Et ils jettent des bouts de gomme en boucle! Et tu peux pas répondre! Et si tu t'énerves, c'est toi qui es puni! C'est exactement ça le gameplay de Gangplank quand il pense. Tu finis par craquer, c'est toi qui es puni. Et il est là. Il te jette des trucs, sans réponse en boucle. Et si tu nous hits, tu perds. Oh non, je l'ai pas eu. Ok. Oh! Après j'ai objectivement mal joué, hein. C'est pour ça que ça s'est retrouvé aussi dur. Mais bon. Je peux avoir les deux creeps. La MS du bordel. En plus, il a fait une TMMS là. Ah, il est content! Ah, il est content! Ah, il est content! Regarde-moi, je freeze la lane! Ah, il est content! Ah, il est content! Casse les couilles! Bon, il serait prêt à hypothéquer sa maison pour maintenir la lane freeze. Je vous jure, il me donne des boutons, joueur. Il est là, il veut maintenir la lane ici. Coûte que coûte, coûte que coûte. Quitte à en crever. Il veut maintenir la lane ici. Petite troisième plaque, là. Oh oui. Les deux solo kills, les 480 gold des packs, des plaques, pardon. Allez, c'est reparti. Et il... Ah, il a wardé ce truc-là instantanément. Putain de maniaque, putain de psychopathe, je te bute. Je peux pas le buter, il est trop rapide. Oh, je jure. Je jure que c'est dingue. C'est un truc de malade. Oh. Oh, c'est sportif. Oh, lui ici, il est putain de feed. Pas moi qui vais le tuer, ce salopard. On va avoir Tabi et un Sterak là. Gordrinker. En soi, je devrais pas péter un câble, j'ai un niveau d'avance, j'ai deux solo kills, j'ai trois plaques. Tout roule, tu vois, tout roule. Dans les faits, tout roule. Mais l'enfer psychologique qui me fait vivre, ça roule pas du tout. Oh, va te faire foutre. Je la tape ta tour. Regarde ta tour, je la tape. Oh! Ok les gars, faut FF. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais persuadé d'avoir les potions sur espace et pas la Gale Force. J'avais même oublié que j'avais acheté une Gale Force. Oi, 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 oi.
Et encore, dites-vous, ce Gangplank, il a rush Triforce, hein. Il a pas fait l'établi en lane. Imaginez, il avait fait l'établi en lane. C'était fini, il n'y avait rien. Oh, le Vlad, il est là avec 140 CS. Le botlane est derrière, le lead est ultra feed. Elle fait peur un peu la partie. Je vais reset, un Zell fera plaisir. Je vais bot, ils ont inversé les lanes. Je bats le Gangplank en 1v1. Aussi éprouvant que ce soit, je le démonte. Faut me maintenir contre lui. Attends, il peut vraiment dive alors qu'il y a Yumi sur sa tête et tout? Il peut pas quand même. Voilà, c'est bien ce que je me disais, c'était du foutage de gueule là un peu. Mon Gangplank, amène-toi. J'ai pas le Ghost après, mais j'ai Gale Force. Et cette fois-ci, j'ai vraiment une Gale Force. Je suis pas persuadé que c'est une potion rechargeable. Parce qu'il y a à avoir Gale Force et il y a à avoir Gale Force dans la tête. Non. Non, je peux pas tolérer. Je peux pas tolérer que tu vives sur cette terre. Tu mérites pas cette planète. Ma Gale Force était mauvaise. Je pensais qu'elle allait me donner plus d'espace que ça. À la limite, taper dans la tour. J'aimerais tellement prendre cette tourelle, mais c'est juste donner un kill à Lee Sin que de prendre cette tourelle. Sans même être sûr de pouvoir la prendre à la fin. Bon, j'ai claqué aucun sort d'invocateur, il a claqué son flash et il est mort. Ok, c'est bon. J'étais prêt à balafre out s'il claquait un pilier. Je fais Navouré Quick Blade maintenant, la game est ultra active, faut que j'évite de la CDR. Si la game était plus chill, j'aurais complété mon Mortal Reminder, mais je peux pas. Je peux, mais il me faut les Navouris avant. Il n'y a pas encore les dégâts sur ce Kayn. Faut que je me protège avec ça. Après ça va, il a réussi à tuer le Brand, c'est au moins ça. Ouais, j'en étais sûr, on le voyait nulle part sur la map. Bon, je fais le raid de mon jungle, parce que si je le fais pas, Lee Sin va le faire. Donc autant qu'il soit sur moi. Petit solo gold d'une tourelle là. Allez hein. Toujours pas les tabits complétés. Allez. Let's go. Ça se voyait qu'il y avait quelqu'un avec lui, il avait pas assez peur. Mais j'avais deux sorts d'invocateur à zéro. Du coup, je me disais que ça allait passer. Peut-être une T2 là-dessus. Petite T2 là. Oh. Le problème c'est que là peu importe ce qui se passe, je suis un Trinda sans ulti. Trinda sans ulti, ça vaut vraiment pas grand chose. Ah, je crois qu'ils ont ce dragon du coup. Ah, ils l'ont. Je peux pas empêcher ça. Je vais attendre. Bon, je vais avoir les Navouris Quick Blade. Je sais pas du tout à quoi va servir cet Herald Top. Ok, je suis désolé. Je savais que j'allais roter, mais je pensais pas que c'était les 13 points là. Allez, voilà.
Bon, on a Blue Kane avec une Yumi sur lui. S'il arrive à récupérer assez de ressources, il va être ingérable. Pour le moment, il est un peu derrière, donc c'est pas le cas. Brand, c'est sa meilleure cible. S'il arrive à en abuser pour suite, c'est cool. En plus, il n'y a rien à faire. Hein. Oh putain! Ah ouais, Holy Sin, ça va être problématique. Hein. Oh le stuff. Oh le putain de stuff. Là j'ai plus de sort d'invocateur. Trinda sans sort d'invocateur ça fait pas peur. Vlad. Ah Vlad, Lee Sin, même les agrumes de GP. Jin qui a certainement Bloodline et qui a Fleet. Ah il me faut cette marque du bourreau les gars. Je reset pour la marque du bourreau. Je suis sur un timing trop faible là, c'est rien que je pressure ici. Ben, je suis big, mais... Voilà, la marque du bourreau peut tout changer. Avec la marque du bourreau, je tue certainement le Vlad. Peut-être même le Lee Sin. Après, je pense pas, il a trop d'armure. Oh non, ils vont prendre le Nash. Ah ouais. Mais c'est le même schéma que la game précédente. Ça nous force dans une compo full AD pour jouer un vieil assassin mid lane. Bon, même si Qiyana, c'est génial. Mais là, ça joue Qiyana et ça se retrouve derrière. Elle aurait pas pu venir sur moi, une Spidge ? Elle a rien fait. Je pense qu'on fait rien, je vais pas vous mentir. Oh. Hey. Ah. Je savais qu'il fallait ulti tôt au cours de cette action, mais je m'attendais pas à ce que ce soit genre si tôt. Ah, il pique le Vlad, hein. Mais ouais, on est forcé dans une compo full AD pour un assassin mythe qui se fait exploser par un mage, quoi. Du coup, c'est tendu. Oh, c'est dommage, j'ai fait une bonne game. La game était tellement... Enfin, la lane était tellement éprouvante et malgré tout, j'ai réussi à faire tellement un bon taf, tout ça pour perdre. Fait chier. Il peut réactiver. Hein. Il est totalement en position de réactiver et ça fait un moment qu'on le voit avec ce stuff là. Du coup, ça veut dire que sur son back, il va pouvoir compléter GA. Peut-être même qu'il va chercher à compléter sa côté épineuse derrière. Il y a des tabis sur la décarie, il y a des tabis sur absolument tout le monde sauf le Vlad, qui va faire un Zonia. Et ouais. Oh, flip it. Je t'en foutrais du pinback, je flip. C'est son flash. Il peut peut-être le tuer. Oh dommage. Il aurait dû continuer de pénétrer les murs et aller dedans. Ouais, le flash fait beaucoup. Parce que ok, j'ai mon ghost, mais Gangplank c'est comme s'il était littéralement tout le temps sous ghost. Surtout avec la maîtrise tonic wrap. Donc en soi le ghost me donne même pas un avantage contre lui. Le ghost me permet juste de l'auto-attaque. Ah, ils se sont fait péter mid. Ah les gars, j'ai aucune porte de sortie cette game. Hein. Je crois que c'est une lose. Le speed, je le gagne, mais je le gagne pas assez pour solo win la game. Et même si je le gagnais plus, ce serait pas suffisant pour solo win la game, je pense. Notre compo pue. Et on est derrière. Ah, on est là, pas de hard CC. Full AD. Du niveau de retard partout, 3 niveaux de retard sur la décarry, 2 sur le sup, 1 sur le mid, 3 sur le jungle. Ouah, c'est chaud. Ouais, c'est en train de compléter une âme océan. Bah, fourrage pit. Si je rejoins les teamfights, comme on a pu le voir au Nash, bon, il va pas se passer grand chose. Je peux littéralement que rage split. Et prier pour que mon kill sur Gangplank passe et derrière récupérer une ou deux tours.
ça va être compliqué que mon kill sur Gangplank passe s'il joue comme ça. Hein. Oh vas-y. Bon, j'ai eu les solo gold d'une T2, c'est énorme. C'est énorme en termes de gold. Ok, il check le raid pour pas que je le fasse. Ça veut dire que du coup, là il va récupérer la lane. Et il sera pas en train de défendre le raid. Sauf si c'est vraiment un sale con. Ok, c'est bon. Si vous voulez vraiment me faire chier, il m'attendait au raid. Je sais ce qui se passe dans ma base, les gars, vous inquiétez pas. C'est juste que je ne peux pas influer là-dessus. Du coup, je ne cherche pas à influer là-dessus. Eh bien, je pense que j'avais une vision sur moi, parce que... Quand il a vu que j'attendais, il s'est barré. Bon, il aura plus le flash et je vais récupérer mon ghost. Beaucoup de gold sur moi. Je suis même pas sûr que je devrais faire l'IE là, je devrais peut-être faire comment s'appelle Cerilda avant. Oh. Tabi, Exos, Topwatch. Hey! Ma. Je pourrais faire un mix. J'ai besoin de cette armor pen. J'avais pas assez pour le marteau de Caulfield. Du coup, ça part sur un bout de l'IE. Oh, il décide de faire un bloc. Ah bah, le fun time speed push est fini. Je ne peux même plus rush split. On va être obligé de forcer un teamfight qu'on va perdre. Let's go! Il a le droit de faire ça, lui? Attends, ça me touche. Quoi? My bad. Oh, ce Vlad. Il m'a pissé dessus sur deux fights, fait chier. J'ai voulu appuyer sur R, mais je me suis dit, il a plus la vision sur moi, et quand le Q est parti et que j'ai voulu appuyer sur R, bah c'était trop tard. Après, soyons honnêtes, ça change rien, ça change juste mon KDA de fin de partie. Si j'avais appuyé sur R au Nashor, je faisais peut-être un trade kill, mais ça changeait rien au Nashor. Si j'avais appuyé sur R là maintenant, je faisais peut-être un trade kill, mais ça changeait rien au fight. Il y avait Flaxonia, le Vlad, le Lee Sin aurait très bien pu me kick et W quelqu'un d'autre. Si j'avançais un petit peu trop dans le fight, je me prenais l'exhaust du Jin. Il y avait juste rien. Hein. Il y avait juste rien du tout, les frérots. Mais je suis content dans un sens parce que c'est une bonne défaite. Et j'avais pu publier qu'une défaite jusqu'à maintenant. J'avais pas envie qu'on se retrouve à publier que des wins. Parce que c'est beaucoup plus dur de trouver une bonne défaite qu'une bonne victoire. Et surtout, j'ai un échantillon de victoire beaucoup plus grand qu'un échantillon de défaite. Du coup, c'est. C'est comment dire, c'est plus facile de faire le tri. Enfin c'est, non, plus difficile de faire le tri justement. Non, c'est plus facile. Parce que justement j'en ai plus. Mais ouais, là la game avant celle-là... Ah, c'était pas bien. Je l'ai commenté de A à Z avec le sourire et j'ai hésité à en faire un épisode, mais... Mais non. Parce que tu vois, faut une bonne défaite. Je m'en fous d'avoir fait 2-7-3 dans la game, c'est pas ça le problème, mais il y avait vraiment rien à dire. Au moins, la game qu'on vient de faire, tu vois, tu la regardes en tant que spectateur, tu te dis peut-être que je peux la carry, tu vois, tu regardes pas une free lose. Tu regardes pas un mec qui a perdu depuis 15 minutes essayer de faire tant bien que mal. Elle a un intérêt. Celle-ci, elle avait pas d'intérêt. Ça s'est passé où la merde, ouais, c'était là. En gros, je joue Jax contre 7. La game est bien, je suis even en CS. Bon, c'est un putain de 7 Ignite, et c'est un 7.
Je suis Jax. Et il a un Ignite. Vous vous doutez bien que l'early game n'est pas le même. Mon but est juste d'être even en CS, surtout qu'en split derrière je suis ultra bien. Jax contre Yi, Sage peut devenir un énorme problème si je suis ne serait-ce que even. Et que la game dure. Mais je n'étais pas even. Et la game n'a pas duré. En gros là il y a mon... comment il s'appelle ? Mon jungle qui vient pour gank le top. Et c'est ma faute aussi. Parce que je me dis bon, on va le follow up. Si le kill y passe, ça peut mettre vraiment trop bien et accélérer la game et me permettre de carry. Mais j'aurais dû spam ping back. J'aurais dû refuser ce gank. Il avait le push. On n'avait pas d'infos sur le jungle adverse. Ça reste un set ignite. Je suis pas full life. Il y avait trop de facteurs que ce soit la merde. Là, il passe niveau 4, mais il est là quand même. Du coup, je suis là. Il force à utiliser les compétences de manière pas ouf. Il tempoule l'arrivée de son jungle. Je crois que j'ai été touché par les dégâts du Q de... comment il s'appelle ? J'ai été touché par le Q de comment il s'appelle, de Yi. C'est bien que je regarde cette action parce que j'étais persuadé que je mourrais pas si je faisais un flash out et qu'il y avait un tic de dégâts que j'avais pas compris sur l'action. Mais c'était le flash Q de Maître Yi en fait. Non, il a même pas flash. Ah ouais, il me touche dans l'action, mais vu que c'était dans l'action où le set me burstait, je l'ai même pas vu arriver. Du coup, je flash, mais j'avais pas conscience qu'il y avait des dégâts de Yi sur moi. Et derrière, c'est un putain de set ignite avec double kill, double buff. J'arrive à tenir la game tant bien que mal. J'arrive à être even en CS et tout, et c'est quand qu'il y a le Fizz là ? Ouais, là. Là, j'étais en mode ok. Bon, c'est ultra dur, mais j'arrive à être even en CS. J'ai Jax contre 7. Si j'atteins Thunderer Tabi sans être trop derrière, je lui explose la gueule. Et là, get ça. Là, il y a les décals du mid, quoi. Qui vient me faire écraser 3 waves complètes sous tour. Il récupère toutes les plaques, il me... ouais. À partir de là, c'est fini. Et vu que c'est quoi le score final ? L'ensemble de la team s'est fait péter aussi. Ouais, ça a même vendu ses items. Oh, j'aurais dû la report, ils ont fait un système comme quoi les gens qui vendent leurs items en fin de game, ils se font direct ban maintenant. Genre les mecs qui vendent leurs items, qui troll stuff en fin de truc et tout, il y a un algorithme anti-toxicité à ce niveau-là. Et si tu les reportes, c'est une très forte chance de se prendre un 14 jours ou quoi. Mais ouais. C'est une game que j'aurais bien publiée en soi, parce que c'est bien de publier les défaites aussi, mais... C'est vraiment juste, je souffre. Je souffre de A à Z pendant 23 minutes, et il n'y a aucune lueur d'espoir. Il n'y a rien, c'est vide. Du coup, je me suis dit, bon... La publier, ça va limite être frustrant à regarder pour le spectateur. Mais là, celle-ci, ça fait une bonne def. C'est une goutte défaite. C'est une goutte défaite. Oh, ça commence mal là. C'était quoi le MMR un peu ? Merde, qu'est-ce que je fais ? Je veux voir les pseudos. Diamant 3. Diamant 4. Diamant 3. Eh bon, mon compte, il a fait un jump de mémère. Hein. J'étais genre en plate-lot. Le dernier épisode. Le problème, c'est que je peux pas classer que les ranked ici. Je peux sur OPG, mais pas là-dessus. J'étais plate 1 de GP. Ah, c'était un smurf pur OTP GP, j'imagine. Il a qu'un seul champion. Non, il a deux champions qui sont maîtrise 5. Le compte est bas level. Je pense que c'est un smurf. Hein. Je doute que ce soit un vrai plate 1. Ok, un GP peut être chiant en lane, même joué par un mec pas ultra fort, mais ouais, pas d'élo la saison passée. Main Gragas Gangplank. Oh, laisse-moi deviner, quand il joue Gragas Face Drug. Oh, oh. Pff. Allez, voilà, je te crache dessus. Pff. Pff. Voilà, c'est dit. Excusez-moi, les gars, mais parfois, faut dire les termes. Oh, ah, vous voyez pas, mais en gros, il joue littéralement que Gangplank et Gragas. C'est un nouveau compte où il joue que Gangplank et Gragas. Et il joue le Gangplank que vous venez voir avec son playstyle. Et quand il joue pas ça, il joue Gragas top, full CDR, phase rush. Oh, sérieux. Oh, je suis désolé, là, je peux pas tolérer ça. C'est vraiment, il est là, il casse les couilles. Bien content de l'avoir éclaté. Mérite de se faire éclater. Mais ouais, du coup, faut recheck un peu. Diamant 3, ouais c'est du lot diamant quoi.
C'est du lot diamant. On va continuer de check un peu. Ouais, bref. C'était du lot diamant la game, quoi. Fais un peu de carabistou dernièrement, là. Je fais des normales, des flex, des arames. Vu qu'il n'y a plus de normal MMR qui influe sur ton MMR solo queue, de ce que j'ai compris, comme j'en avais parlé dans une dernière VOD, sauf si je me suis fait prank. Bah, je me permets d'en faire, c'est cool. C'est relax. Aram, bon, je doute fortement que ça influe sur une autre file, même s'il y a un MMR en Aram, et que c'est très chiant d'avoir un MMR en Aram, parce que les games deviennent ennuyantes à mourir et il n'y a plus aucun melee dans les games, limite. Personne ne veut en jouer. Alors que les Arams, bah, MMR, c'est trop drôle, il n'y a que des melees, ça se fout sur la gueule en perma. Et des flex aussi, quelques flex. Quelques blocs de flex qui serviront à faire du comment dire, du contenu monté pour la chaîne principale. Fait des carabistouilles avec Orex Seekers là. Enfin bref. Je repars pour de nouvelles aventures, les gars. Si la game est cool, victoire ou défaite, ce sera l'épisode suivant. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Bisous.